Et quand vous êtes arrivé chez ces trois présidents, comment ils vous ont accueilli? J'ai toujours été la bienvenue. Vous savez, ça ne date pas de maintenant, mes amours avec ces pays de la sous-région. Encore que vous parlez très bien Depuis leur langue commune, le le Bambara, malinké, oui. le bambara. Oui, non seulement ça, mais il faut dire que il y a eu quand même la grâce du Seigneur à travers le président Oufouette, parce que les gens se demandaient qui est cette fille à qui le président a remis une forte récompense de 10 millions pour commémorer ses 10 ans de carrière. Et chaque chef d'État, à cette époque-là, quand je me déplace, voulait me rencontrer. Les Je autres vous pense que inspirent. je le dois au président En fait, Fouette. on va revenir sur le présent. Mais pourquoi les autres vous inspirent et le vôtre ne vous inspire pas? Le nôtre, c'est-à-dire, Le président Ouattara. ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes visions. Le président Ouattara a été un grand ami à mon frère Aboulaye. Il l'a beaucoup soutenu pendant ces moments difficiles quand Aboulaye était malade. Je garde ça de lui. C'est un côté humain. Mais je n'ai pas aimé la guerre quand le président Ouattara est arrivé. Ça m'a beaucoup déchiré. Les gens ne comprennent pas, mais j'ai pas supporté la guerre. Vous avez été victime, votre maison a été visitée, tous Non, vos... pas visité, mais j'ai eu très peur et jusqu'à demain, je garde les traumatismes moraux de cette guerre-là. J'ai dû partir en Guinée avec mes enfants, ma famille, parce que mon neveu à l'époque était c'est le fils du président Alpha Condé. Alpha Condé. Donc, il est mon neveu, le fils de ma sœur. Lui, il nous a fait partir en Guinée. La C'est guerre triste. m'a laissé vraiment un mauvais souvenir. Vous ne pensez jamais que ça pouvait arriver aux Ivoiriens? Pas que, c'est-à-dire, comme on le dit, ne te dis pas toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Mais j'ai vu les Blancs attaquer mon pays. Je n'ai pas compris pourquoi. Parce que on a suivi quand le président Gbagbo a dit aux jeunes, revenez dans la maison, on peut s'entendre, on peut trouver une solution. On avait espéré. Et Soro était revenu. Après, Soro est reparti rejoindre la rébellion. Bon, tout ça, j'ai mal vécu ça. Ça m'a déchiré. Et le fait que on a vu les Chinois, là, Shou Youki, là, parler, intervenir, qu'il faut dégager le président Gbagbo. Et puis, bon, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il y avait. Et après, il fallait installer le président Ouattara. Ça te plaît, ça peut pas se cicatriser, Richard. C'est-à-dire que Ouattara est quelqu'un qui était bon ami à mon frère Aboulaye. Cette affection j'avais pour lui. Mais la guerre, là, où j'ai compris qu'il était aussi mêlé, je ne sais pas si vous comprenez ma déception. On comprend, c'est une plaie, une grande plaie. Ben écoutez, on dit que toutes les grandes nations passent par ces corollaires-là. Donc, ça pouvait ne pas être lui. Malheureusement, c'est lui qui a géré. Et